Voilà plus de 4 ans que les seigneuries d'Harcourt et de Lorraine se sont entendues pour marier la jeune comtesse Jeanne d'Harcourt à René II, duc de Lorraine. Après des mois, malgré l'assiduité du duc, aucune descendance n'est venue. Pardieu, comment aurait-il pu ? De mois en année, et sans que rien n'y fasse, les médecins ont ordonné onguents, jus, poudre, filtre, pansement, décoction pour aider Jeanne à procréer et à revigorer mon maître. Et aujourd'hui, la comtesse Jeanne se retrouve sans mari, avec une... Tais-toi, Gradel ! Retourne à ton jardin. Malgré sa mauvaise langue, Grimbert avait raison. Angèle sait bien que je n'ai pas tort. À moins d'un divin miracle, rien ni personne n'aurait pu guérir notre petite comtesse. Comment d'ailleurs pouvait-on réparer ce que la nature avait si fort et si mal noué ? Après 6 mois de mariage, le ventre de Jeanne restait aussi plat que la paume de ma main. On fit alors venir à son chevet bonne femme et médecin plus ou moins renommé. Contre l'infertilité, il faut lui donner des tisanes d'aubépine, disait l'oncle. Et j'inaugurais mes carrés de sable en... Voilà en vérité ce dont se plaignait le duc. Mais les familles affaiblies prirent encore d'autres recours. On convoqua alors la magie noire et certains remèdes de sorcellerie. Je préparais mon carré des sorcières. Et des ombres vertes de vie. De tous les recoins du château, il fallait d'abord chasser le diable. Il fallut pour cela force brassée d'Angélique, de Millepertuis et de communes benoîtes. Que Jeanne fasse un chapelet d'armoise et qu'au feu de la Saint-Jean, elle le jette pour brûler toute sa malchance. Ce qui fut fait aussi. La belladone exalte l'appétit charnel des sorcières. Qu'à cela ne tienne de la belladone. Mélangée à de l'hydromel ou du vin, on ordonna d'en faire boire à la comtesse. Les ombres du logis ne juraient que par la mandragore, qui ne manquait pas de faciliter un futur accouchement. Pure folie ! Et malgré de pleines carafes de filtres d'amour, composées de justiam noir, de jasmin blanc, de coriandre, de gingembre et autres charlottes, le duc René menaçait maintenant de répudier son épouse pour rejoindre Philippa de Guerre, qui lui donnerait son amour et la descendance digne de son rang et de son nom. Alors, pour sauver l'union chancelante et la face des deux maisons, vint le tour des alchimistes. L'un était italien, l'autre avignonnais. Dans un salmi bondi de grands gestes et de belles paroles, ils firent feu de tout bois pour extraire la quintessence de Saint-Grimbert. Ce principe est 100 fois plus actif que celui des remèdes précédemment prescrits, affirmait-il. 100 fois, 1000 fois plus puissante. Toutes plantes médicinales, mes aromates et mon carré de sorcière. Et j'ai planté pour toi, ma belle Angèle, ô couleur de ma vie, un carré de plantes à teinture pour égayer tes humeurs. Embrasse-moi, vilaine bête, et porte à notre maîtresse ce carafon de douceur mélangée. À tout coup, ta trogne de pitre la réjouira, et je gage qu'elle en rira presque.
histoire ainsi. Manoir au XIIIe siècle, devenu château fort au XIVe, puis château résidentiel pour se transformer en ferme jusqu'à la fin du XIXe, le château de Blanqui-Étoile fut ensuite oublié. Tombé dans un terrible état de délabrement, après plus de 20 ans d'un travail de reconstruction acharné, ce pur joyau du Moyen Âge fut enfin relevé de ses ruines. Comme le disait l'historien. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas un peu fini ce vacarme? Les honnêtes gens dorment de la nuit. Allez discourir ailleurs ou j'appelle la garde. Jocelyn, viens te recoucher. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe à cette heure? Pourtant, je suis vite. Ouais, Jocelyn. Qui va là? Un voyageur qui demande l'hospitalité. À cette heure? On n'ouvre pas. Par Dieu, bonnes gens, le froid de la nuit est plus mordant que les loups. Me laisserez-vous geler au pied de votre logis? Plutôt deux fois qu'une. Passez votre chemin. Et n'y revenez pas. Juste un coin de cheminée pour me réchauffer. Dégagez. Ou je m'en vais vous réchauffer à coups de bâton. Fort bien, bonnes gens. À triple tour, la grande porte s'est ouverte devant lui. Premier miracle de cette nuit prodigieuse. La porte franchie, il a disparu dans un éclair, et dans le même instant, un arbre centenaire est apparu au centre de la cour. Un tilleul. L'arbre des sages et des magiciens. Tombés de leur lit, mon père et ma mère priaient Dieu de les délivrer du diable. Quand tout à coup, l'arbre s'est mis à parler. Je vous remercie pour votre hospitalité si spontanée. Mon Dieu, mon mari, est-ce que tu entends ce que je vois? C'est le démon qu'on nous envoie, Marguerite. Ni démonerie, ni diablerie. Je vous l'ai déjà dit, brave Jean, je ne suis qu'un voyageur. Un peu fantasque, certes, mais honnête et droit. Comme le tronc de cet arbre qui me tient au chaud des rigueurs de l'hiver. Moi, je n'ai pas peur de vous. Et tu as bien raison, Grégoire. Vous connaissez son nom? Je connais tous les noms de la terre, mon bon Jocelyn. Oh. Tiens, petit. Voilà pour toi. De ma vie, je n'avais encore jamais vu de livre. Et celui qu'il m'offrait là, jamais au grand jamais, je ne le verrai plus. Des imagiers couvraient les murs et les murailles parcheminées du château, en un fabuleux recueil prêt à contenir la vie tout entière. Le voyageur transportait tous les mots et toutes les lettres, tous les savoirs et toutes les sciences, toutes les beautés d'un monde enluminé. Ce grand livre d'images contenait tout, et tout y était contenu. De la pure magie, Marguerite. De la magie pure, mon mari. Joli, mais pourquoi Noël? Pourquoi diable? Marguerite! Faites excuse, pourquoi? Mon Dieu! Vous êtes-vous arrivé ici, cette nuit, à Blandy? Le hasard. Le destin. Et mon bon plaisir de voir le monde. Mais le monde est vaste! Non! Vaste, oui. Et bien plus que vous ne le croyez. J'ai frappé à d'autres portes qu'à la vôtre, et bien d'autres portes se sont ouvertes devant moi. Le vaste monde s'est obligé à me refaire à moi. Bagdad, Le Caire, Cordoue, Tolède.
Il n'est pas de ville plus splendide et plus peuplée que les cités arabes. Pour prétendre connaître le monde, il faut avoir suivi les arabesques des marchands sur les routes de la soie, des épices et de l'or. L'Afrique. La terre des Afriques. Ceux qui savent recevoir. J'ai vu la Libella et ses 10 églises creusées par les anges dans la roche des montagnes éthiopiennes. J'ai suivi le fleuve des fleuves, de l'Empire du Mali au royaume du Ghana. Il est encore sur la terre des mondes inconnus que je connais pourtant. Pour trouver celui-là, il faut faire voile plein ouest et toucher l'autre bout du monde. Là se trouvent des cités d'or accrochées aux nuages, des empires mystérieux blottis au cœur des forêts profondes. Il faut courir la route australe pour rencontrer les peuples des grandes îles. Ils sont nés des déserts et des forêts, des vagues et du vent. Leur vie, disent-ils, ne dure que le temps d'un songe. Au jour, ils s'effacent et, comme les étoiles, renaissent au crépuscule. Loin à l'est, au-delà du levant, sont les éveillés. Leur sagesse est aussi grande que leur temple et leur sourire aussi large que celui de Bouddha, l'homme modèle. Orientale, j'ai suivi Marco Polo sur les terres du Grand Khan. Comme lui, j'ai vu de mes yeux vus tous les dragons de l'Orient, les licornes et les éléphants blancs, les cyclopes et les hommes sans tête, les géants unijambistes et les femmes de pierre. Toutes ces merveilles décrites par lui dans son grand devisement du monde. Nous qui n'étions jamais allés plus loin que les trois lieues qui nous séparaient de la foire de Melun, la berlue nous prenait devant tant de splendeur. Comme des enfants sous le charme d'un raconteur à la veillée, nous vivions l'extraordinaire. Avec cette soudaine et simple impression que les murs du château n'avaient été élevés que pour recevoir toutes les beautés de la terre. Et cet arbre, avec lequel nous parlions maintenant le plus naturellement du monde. On dit que les hommes n'ont pas la même couleur. On dit vrai qu'il en existerait même des noirs. Il en est. Oh, comme d'autres sont jaunes ou rouges, ou d'autres de sang mêlé qui font encore d'autres nuances. Et finalement, les hommes ont tous les mêmes couleurs, celles de la terre et du cœur. Les hommes ont les couleurs de l'âme de leurs instruments, cristallines comme la harpe, tempétueuses comme la sacoche. Lumineuse comme le psaltérium, belliqueuse comme le tambour, enjolante comme le chant de la flûte. Les hommes ont la couleur de leur musique. Leur laine en est si douce
si chaude et si soyeuse. Et les tisserands ont tellement de talent. Un jour sûrement, petit, tu tendras sur les murs de ta demeure les chefs-d'œuvre des maîtres flandriens et des tisseurs du Nord. Lui, il n'a jamais rien su faire de ses dix doigts. Ben oui. Il s'est rêvé. C'est bien plus qu'il n'en faut pour être déjà riche. Un jour, petit, tu sauras toi aussi jouer des couleurs et de leur âme. Tu auras d'abord appris à les composer, à mélanger l'huile à la gaine ou l'indigo pour bleuter l'azur, la robe de Marie, le manteau des rois. Tu t'enivreras des senteurs du curcuma et du safran avant de les coucher pour que signent les étoiles. Le carmin des cochenilles de la Garance empourprera la vêture des puissants et les drapeaux guerriers. La terre de Sienne ou celle de Cassel collera au basque des robes de Bure. L'orseil et son violet pareront les papes et les évêques, les pénitents aussi. Un jour, c'est toute la nature et toute la terre qui s'étaleront sur ta palette. Oh, ne lui mettez pas, s'il vous plaît, ces sortes d'idées dans la cervelle. Mais oui, il passe déjà son temps à brailler aux corneilles. Mon père avait raison. J'avais souvent le nez en l'air. Juste pour respirer la lumière. Juste pour la voir filer entre les nuages. Pour la regarder changer de l'aube à son coucher. J'attendais le dimanche pour la voir courir sur les pauvres vitraux de notre église Saint-Maurice, me jurant qu'un jour je verrai enfin ceux des grandes cathédrales. Là, disait-on, l'air s'embrasait, l'espace ruisselait de couleurs, l'âme des hommes s'éclairait aux lueurs divines. Nous ne sommes ni instruits ni bien nés. Nous vivons chaque jour côte à côte avec des ombres qui nous cachent trop souvent la lumière. Marguerite, quelle que soit notre naissance, le destin nous convie tous à la table des spectres. Nous avons tous une place à prendre dans leur macabre fardeau. Et comme au matin le soleil nous tire de nos mauvais rêves, les cauchemars disparurent de nos murs pour laisser place à de nouveaux prodiges. On sait maintenant comprendre ce qui se trame au ciel entre la terre et les étoiles. Dans la grande mécanique céleste, les savants astronomes savent lire la course des planètes dans l'univers. Oseriez-vous prétendre, comme certains fous, que la Terre fut ronde, mon bon sire ? Comme une pomme, Marguerite. Tout comme une pomme. Vous finirez sur le bûcher.
sans doute. Mais là ou ailleurs. Est-il vrai que des machines savent aujourd'hui compter les heures? Parfaitement, petit. À la minute près. Il suffit d'en remonter la machine. Et très bientôt, tu verras. Un autre soleil va se lever à l'est. L'imprimerie. L'imprimerie repoussera la nuit de l'ignorance et sa lumière brillera parmi les hommes. Tu verras. Et maintenant, comme il est arrivé, il est reparti, tout enveloppé d'étoiles et de nuit. Enfin, ton propos, nous voilà enfin libérés de cette bourre d'engeance. Tu n'es pas encore débarrassé de moi, mon bon Jocelyn. Mais comme en d'autres lieux de la Terre, j'ai pris racine ici, à Blandy. Tout en restant près de vous, j'arpente le monde et vous en donnerai des nouvelles chaque fois que vous voudrez penser à moi. Comptez sur moi. J'y compte, petit. J'y compte bien. Comme le disait l'historien, si les murs ont des oreilles, ils ont aussi la mémoire. Ils ont aussi la mémoire du passé. L'énergie du présent. La force des avenirs. Ce château est aujourd'hui le château de tout.